Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim. Alors on est toujours dans la quête d'Edric et on va se retrouver Vous êtes à la recherche d'un sur la quête fils, de Sangha, vous êtes au donc c'est bon endroit, une nuit mémorable. quelques verres, Alors le bonne but de tranche de riz, cette quête d'Edric, c'est qu'on tombe par ça hasard dans reste une un auberge bar, sur Sam c'est un breuvage Guven, particulier et les je couleurs sais pas du trop comment on bar s'en fiche, c'est pas le principe, donc on commencent. trouve Sam. Il se trouve dans. C'est aléatoire, donc il peut se trouver dans n'importe quelle Je auberge commence le premier tour, de bord de ciel, il me cul semble. sec. Vous tomberez dessus quand vous tomberez dessus, hein. Y a pas, je crois que c'est à partir du niveau 14, il me semble, il y a certaines rumeurs sur Internet comme quoi c'est à l'endroit où vous avez atteint le niveau 14. Donc, par exemple, si vous êtes à Blancherive, vous êtes au niveau 14, près de Bravo, Blancherive, un de il moins. sera à Un l'auberge petit point de la et jument pavoisée. l'autre pour moi. C'est quelqu'un qui nous demande de faire un concours de boisson, donc on va accepter, hein. Voilà. J'enlève juste Crozis pour qu'on voit bien ma tête. Et vous alors? Voilà. Donc on C'est va. vous qui Donc c'est un venez. concours de boisson. Donc c'est un truc qui Je va se crois que terminer à la moi, Very Bad Trip. Je sais pas j'ai si vous un peu connaissez le film. mal au nez. Je vais. Vous avez réussi. Le bâton est à Alors. vous. Ne On a vous dit. sent pas. On a l'air J'ai déjà bien 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 parlé. ramasse. Je connais un chouette petit endroit où le vin coule à flot comme de l'eau. Hé, vous avez mauvaise mine. Voilà, donc là c'est maintenant que ça a commencé à être drôle. Donc on se réveille avec une Oh, fameuse gueule de bois. il est temps de vous réveiller, espèce d'ivrogne sacrilège. Oui, votre tête vous fait souffrir, et vous ne vous souvenez pas où vous êtes. J'imagine que vous avez aussi oublié votre arrivée ici, quand vous avez parlé d'un mariage et d'une chèvre. Et le moment où vous avez perdu la tête et que vous avez commencé à jeter des ordures partout dans le temple. Dibella nous enseigne l'amour et la compassion, mais nous n'allons pas pour autant vous dire ce que vous voulez savoir et vous laisser vous en sortir à si bon compte. Nettoyez vos bêtises et excusez-vous. Si vous nous semblez sincères, nous vous donnerons peut-être un coup de main. Alors. On ramasse les merdes qu'on a. On a heurté des gens. Donc voilà, on ramasse quelques petits trucs, hein, c'est. Voilà. Faut même pas tout ramasser, il suffit de nettoyer un peu. Ça devrait faire l'affaire. Après tout, Dibella nous enseigne le pardon, même pour les ivrognes dans votre genre. En arrivant ici, vous avez proféré des propos incohérents. On ne pouvait plus vous arrêter. Vous avez parlé de Rorikbourg. Vous devriez peut-être aller y faire un tour. Bon, donc go à Rorikbourg. Un peu long chargement. Voilà, quand même. Alors, déjà vous allez devoir subir un petit chargement encore, mais ça c'est juste pour se déplacer. Voilà, placer bien les trucs. Alors, Rorikbourg, ah, il y a un dragon, j'espère qu'il va pas m'emmerder. Moi, je dois le tuer parce que sinon, ça va pas déclencher la suite de la quête. Bon, on va s'occuper du dragon, c'est pas grave. Plus ridicule la flèche que je viens de tirer. C'est difficile de prévoir la trajectoire en vol. Alors, bah ouais, ça pose pas de problème. Un ancestral en plus, oh, ça va pas pu me filer un simple dragon.
quelqu'un fasse quelque chose. Eh bien, c'est mon petit. Bon, je sais pas, il est. Je sais quand on allait voir, non? Non, il est là. Alors. Allez, viens, où est-ce que t'es? Ah, il s'est crashé, super. Allez, vite, qu'on finisse. La petite dernière. Et voilà, dans le cul. Super. Alors, voilà, je vais récupérer ça, j'ai pas besoin. Des os ni des écailles, je vais aller prendre l'âme, voilà, comme ça je peux aller. Je vais prendre la journée, ça sera plus éclairé. Parce qu'après il va falloir aller. Ouais, je veux pas trop spoil, je spoil pas puisqu'on je vais le faire dans 2 minutes, mais on va aller devoir retrouver une chèvre. Et je préfère la retrouver dans la journée, parce que j'ai pas envie de la chercher dans la nuit. Je me souviens plus s'il y a un marqueur sur la chèvre, donc je préfère éviter. Ouais, j'ai chopé l'âme, voilà. Hop, super, tac. Ouf! C'était quoi ça? Comment ça se fait qu'il vient d'atterrir, lui? Alors. Vous ne manquez pas de toupé de revenir vous promener ici. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire cette nuit? Tout ce que vous trouvez à dire alors que ma petite Gléda est encore perdue, seule et effrayée? Vous l'avez enlevée? Et comment? C'est pas de si tôt que je remettrai la main sur une bête. Donc là, on s'imagine le pire, hein. Mon dieu, qui sait, ça doit être une femme en détresse, une demoiselle en détresse. Alors que non, c'est une bête chèvre. Alors on va aller choper la chèvre, on va y tuer le fameux géant. Schlag dedans. Non, même pas. Le renard. Oh, magnifique. Allons bon. C'est parti. Le géant est où? Je vais lui faire sa fête. Oh putain, j'ai vraiment de ses gueules de bois en plus. C'est pour ça que je tire pas droit. Oh, le mal de crâne après la soirée. Et encore, c'est pas fini. Alors, il est où le géant? Ah, là, je vois la masse. Super. Deux flèches, ça devrait être plié. Ah, si, il y a un marqueur sur la chèvre. Bon, tant pis. Putain, c'est plus joli la journée. Hein. Alors, voilà. Donc là, je suis caché. Là, je lui ferai beaucoup plus de dégâts. Hop, voilà. Et une dernière. Et. Tchac. Oh, je l'ai pas tué. Je l'ai. Voilà, c'est fini. Alors, il doit avoir un peu de sous sur lui. Non, c'est pas intéressant. Des gens, je le prends quand même au cas où. Je me rappelle plus s'il sert vraiment avec la lettre qu'on a eu au début. Alors, Madame la chèvre. Gléda. Voilà, donc il suffit de lui parler, comme ça elle va me suivre. Je sais plus si le fait de s'éloigner trop d'elle annule le truc. Non, je pense pas. Je pense qu'elle va quand même me suivre jusqu'au bout. Ah tiens, c'est quoi, c'est un loup ça? Check, c'est fini. Hop, voilà. Allez, je reviens ici. Alors c'est un ennemi ça, non? Ça a l'air d'être un garde qui fait sa tournée. J'essaie de voir si elle se fait pas attaquer par des loups et trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle fout? Non, elle vient, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai plus besoin de mon arc. Je vais passer là. Voilà. Je vais lui parler. Bonjour, monsieur. Je m'appelle
Vous avez des amis qui travaillent Non, bon, là, tout... Oh putain, je dois attendre que la chèvre vienne. Vous avez déjà parlé à Relic? Elle est comme une mère. Elle est où? Ça, c'est une bête de concours. Être sexe. Reldit est la fermière qui... Allez, c'est bon, on est rentré. Hein. Mais c'est moi qui ai le sens des affaires. Bonjour. Gléda, c'est pas la moindre égratignure. Oh, quel jour béni. Je ne comprends toujours pas oh, pourquoi le vieux vous l'avez volé. Là. Vous avez laissé un mot. Tout ce que j'ai réussi à lire, c'était rembourser Isolda à Blancherive. Et encore, j'y ai passé du temps. Vous devriez aller là-bas pour commencer. Alors, donc, on retourne à Blancherive. Enfin, on va à Blancherive plutôt. J'en mets 2 secondes bien le casque. Voilà. Hop. Ça se fait. Alors. Il est long le chargement. Voilà. Ouf, j'ai quelques petits soucis de vidéo. On a vu, je crois que mes sauvegardes commencent à être un peu lourdes. J'ai vu ce problème. Ah, tiens, elle est là. Ainsi, vous êtes enfin de retour. Écoutez, j'ai été patiente, mais vous m'êtes toujours redevable. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça n'a rien à voir avec l'argent, vraiment. Je ne vous aurais pas fait crédit de l'anneau si vous n'aviez pas l'air d'avoir autant le béguin. Mais si le mariage n'a pas lieu, le moins que vous puissiez faire, c'est de me rendre l'anneau. C'est l'une de mes plus belles pièces. Vous l'avez donné à votre fiancé. Vous ne vous souvenez même? Et après m'avoir encore raconté votre merveilleuse Oh la rencontre queue. au bosquet de Sorbonne, je comprends pourquoi elle vous a quitté. Au revoir. Oula, c'est un peu loin. Bon, je vais te remarcher jusque là-bas, c'est pas grave. On prend le bosquet skin. Encore un petit chargement bien long. Ils font chier ces chargements. Vivement que je repasse sur Oblivion, comme ça j'en aurai plus. Enfin, plus aussi long en tout cas. Alors, sur quoi je vais tomber? J'espère qu'elle était jolie au moins. Je cours, et j'avance pas. Voilà. Ah tiens, oh, putain, encore un dragon, on fait chier. Tant pis, on va laisser tomber le dragon. Oh, 2 petites secondes là. Alors. Alors où est-ce qu'il est? Oh non. Non, sans déconner, il me dit pas que c'est une affreuse. Ah oh, dégueu, non. Oh, je devais être vachement. C'est dégueu. Je sais pas ce qu'il nous fait, j'ai l'impression qu'il nous fait le moonwalk pardon, sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est fit? Oula! Ah putain de pique, je peux pas passer. Elle vient si grosse. Tiens. Ah génial, je l'ai pétrifié. Super. Tiens dans les dents. Voilà. Dans le cul. Qu'est-ce que t'auras? Voilà, bon, voilà, c'est dégueulasse. Alors, je vais pouvoir reprendre là, les plumes d'arfeuse. Il n'y a rien dans son nom. Il n'y a rien d'avoir l'air. Ça a l'air assez pourri. Des ennemis, où ça? Ah, c'est peut-être encore le dragon. Non, mais j'ai pas l'air de l'avoir vu. Je peux attendre ici? Non, je pourrais toujours pas attendre.
Ouf, le lapin, il a fait un saut magnifique. Je vois pas d'ennemis à proximité, c'est ça qui... Je clique un peu au hasard sur la touche attendre. Quand je pourrais attendre, je pourrais me faire un voyage rapide. Voilà, super, je pourrais le faire. Donc on va rendre la fameuse alliance. Chargement, chargement, toujours chargement. Ah tiens, elle est là. Ah non, je dois pas rendre. Ah bah bon, c'est qui cette vieille? Ah non, c'est elle. Elle se balade. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes Khajiit, j'achèterai. Excellent. Désolée que ça n'ait pas marché entre vous Encore avec heureux. Inara. Je sais que vous étiez tout excité. Vous n'arrêtiez pas de dire que ça allait être une sacrée cérémonie à Morvunskar. Vous disiez même avoir un bâton magique qui permettrait de tenir les invités. Au revoir. Bon, on va aller à... Je sais plus comment ça se dit. Morvunskar, je crois. Ah, tiens, là. Morvunskar, effectivement. Allez, charge. C'est pas possible, ça. Voilà. Bon, normalement, je l'avais déjà vidé, je comprends pas pourquoi il... Tant pis, c'est pas grave. Ça s'en sort quoi. 4-5 personnes, ça va être vite fait. Alors là, voilà. Check. Ah, crotte. Voilà. 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 Ah tiens, il est pas mort l'autre. C'est étonnant. Ouais. Il en reste encore un. Où est-ce qu'il est? Saleté. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il a dû redescendre. On va aller là. Ah, crotte. Ouais, il s'est arrêté, c'est pas plus mal. Ah, mais qui est en forêt. Bon, lui c'est fini, voilà. Check. Et voilà. Ah non, je l'ai pas tué. Alors, un petit dernier coup. Et c'est fini. Voilà. Alors. On va aller chercher les autres à l'intérieur. Ils sont où? Ils sont où? Ça doit être des vampires, hein, parce que jusqu'à présent j'ai des mages. Non, elle est barrée, ok. Je dois me refarcir tout le chemin.
J'ai perdu mon arme. Ah tiens, voilà. Là je vais pouvoir lui tirer dessus de là. Peut-être un peu court. Non, trop tard. Là ça va être bon. Ah oh, mais saleté! Ah tiens, il y en a un là-bas. Check. Là j'en ai un. Voilà. C'est fini pour lui. Fini pour lui aussi. Et le dernier coup. Check. Et c'est fini aussi. Il est mort, il est vivant, on sait pas trop. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah, ça je vais prendre. Ça aussi. Non, c'est bon. Ouh. Oh, c'est joli. Ça fait un peu penser au bosquet de Kin en quelque sorte. Non, un peu plus moderne, ça a l'air. Alors, donc voilà, donc on va arriver à la fameuse scène. Voilà. Vous êtes On ici. va faire l'étonner, hein. J'ai commencé à penser que vous n'arriveriez peut-être jamais. Je pensais que vous ne vous souviendriez peut-être pas de votre premier voyage ici. La nuit a été longue. Vous avez bien mérité le bâton. Oh, les plumes d'affreuse et tout le reste. Vous pouvez les jeter. Vous voyez. Ah! Mon Dieu! J'avais seulement besoin d'un Tromperie! prétexte pour vous Fourberie! encourager à découvrir le vaste monde et à répandre la joie. Et vous l'avez fait. Sanguin. Cela fait au moins 100 ans que je ne m'étais pas autant amusé. Une blague? Une blague? Le prince des Oh, je l'ai offensé, je crois. Stephen, ce n'était peut-être qu'une distraction au départ, mais je me suis rapidement rendu compte que vous feriez un bien meilleur usage de mon bâton païen. Tout le plaisir est pour moi. Mais je pense qu'il est temps que vous partiez. Ce n'est pas drôle de vous enfermer ici avec le bâton. Bon, ben voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous montrer le fameux bâton, donc c'est la rose sanguine. Hein. On se retrouve vite pour une autre vidéo de Skyrim, désolé. Alors je vous montre vite la rose et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.